Yo la jungle, c'est Imtarzan, le Nery Daddy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo spéciale parce que je suis pas tout seul. Il y a un membre de ma famille avec moi. Et c'est mon cousin, le cousin Tarzan. J'aime bien. Du coup, je vous le présente, c'est mon cousin Iyad. Il habite en Allemagne, donc il parle malheureusement pas français. Dites-vous que lui, il s'appelle Iyad et moi, je m'appelle Imad. C'est vraiment la jungle. Il comprend rien de ce que je dis, mais c'est pas grave. Dites-vous juste que le mec, il a 20 ans, bientôt 21 ans. C'est un bœuf, mon pote, c'est un taureau. Red das taureau, das big taureau. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Taureau. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une grosse séance pec énervé. Je vais refaire mon max au bench parce que la dernière fois avec Mikey, j'ai pas réussi à passer plus de 120. Je suis vraiment une merde. Aujourd'hui, je suis chaud pour claquer une paire. Quant à lui, il dit qu'il peut faire max 100 kilos au bench. C'est pas possible, il doit faire plus. Donc on va y aller, même si la dernière fois, j'ai pas réussi à faire une paire. Aujourd'hui, on n'abandonne pas et on va faire cette foutue paire au bench. Je m'appelle Iyad. Balance le like et c'est parti. Les gars, on va bien s'échauffer cardiovasculairement. On va bien faire la barre à vide. On va faire un peu d'elliptique, genre 5 minutes. On va même s'échauffer un peu les biceps et la coiffe des rotateurs. J'aime bien. Moi, je pense vraiment que ce qui va jouer pour ma part, pour mon cousin, je sais pas, mais pour moi, ça va vraiment être mon positionnement sur le banc. Donc, bien pousser dans les jambes, bien monter la barre rapidement. Je pense que c'était là l'erreur que j'avais quand j'ai essayé avec Solid Mike, tu vois. Donc là, on va essayer de faire mieux. J'abandonne pas, les gars, je suis comme Naruto. Allez, le taureau, regardez-moi ses bras, frère. Le mec, il est piqué aux stéroïdes. En vrai, quand je vois son gab, je me dis qu'il a la force pour le faire. Juste, il a la mauvaise technique. Je pense que cette famille, il y a quoi exploser. Il y a pas de chip. Ok, donc là on a mis 60 kilos, on va faire genre direct pour s'échauffer. Désolé les gars, vraiment je crie parce qu'il y a de la musique, on peut pas l'enlever. Et j'ai envie que vous m'entendez, tu vois. Je suis en train de lui expliquer que la vitesse c'est la force comme Bazinga m'a expliqué. Là j'ai pas besoin de l'assister parce qu'il y a 60 kilos et que c'est un bœuf, mais c'est une histoire de technique, c'est comme pour moi. En vrai on dirait pas, mais le bench c'est vraiment trop technique. Ouais, la respiration aussi. Tu te sens comment, taureau? Taureau. Rien de solo, je te serais compris. Fils de pute. Donc là les gars, je vais charger 80 kilos. Faut savoir que la rep que je vise, c'est 125 kilos minimum. Peut-être même 130, on verra. Là je vais mettre 80 kilos, je vais faire 3-4 reps pour bien m'échauffer. Fils de pute. Regardez-moi ces pecs de taureau, mon pote. Le mec c'est un bison. Ok, Imtarzan, bien ancré dans le sol, poussé dans les jambes, vitesse. Kilos pour cousin Tarzan, 3 reps, c'est parti. Répète. Danse. Buvez de l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Hydrogène, c'est trop important. Là, on va mettre 100 kilos pour faire une rep. Et ensuite, je vais direct passer à 120. Et après, on va monter. Ok, 100 kilos pour tonton Tarzan. Ça, c'est pour toi, Mikey. Et pour toi, Kibiki. Ja, der Red. Koje? Ono što si rekao. Opet. Al jako. Ja te to smiješ? Yes, al jako Red. Fis de pi! Jako u noge, ja. Guraj! Ale noga! Guraj!
Regardez la masse que c'est pas possible qu'il arrive pas à soulever 100 kilos, sérieux. En fait, c'est juste qu'il a pas la technique, je vous garantis. Il monte lentement, tu sais, il fait... Oh. Remonte. C'est pas bien que je me foute de sa gueule, je vais me foirer, je suis sûr. Maintenant c'est parti, je charge 120, lui je vais lui remontrer. Ok là les gars, on passe à 120 direct. Je l'ai déjà fait plein de fois, mais il me fait rire cet enfoiré. Du coup, faut que je reste focus. Tiens. Ok, c'est passé. Pour l'instant, c'est toujours cette rep que j'ai faite. C'est toujours cette PR que j'ai faite, 120. Maintenant, je vais reposer et on va essayer de taper 125 pour sécuriser la PR. Je veux pas direct mettre 130 parce que si je la rate, ça va me cramer pour la 125. Là, elle est plutôt bien montée. J'avais un peu d'appréhension, mais là, je pense que ça va passer 125. Postap, tisto. Oh, chama. On met 100 kilos, Rets. Rets, on met 100 kilos. On met 100 kilos. Hi, mon frère. Haide, haide, tu Rocky. Il sortirait quoi, il sortirait quoi. Je lui ai dit, j'aime bien. Eh les gars, je savais, mais en fait on rigole trop, faut qu'on reste sérieux. Il me fait trop rire et je lui fais trop rire. Tu n'es pas drôle. Oh, obligé, il passe 110 minimum. Ça, tu m'as tapé 110, tu es gourin. 110, il l'est pas sûr. Regardez-moi ce taureau, mon pote. Taureau, j'ai un taureau énervé. Ok là, fini de déconner, on passe à 125 kilos. J'ai la pression, mais je les aurai. Tout le monde compte sur moi, la jungle compte sur moi. Je rate tellement de fois mes PR, je les ai trop ratés. Maintenant je les raterai pas, aujourd'hui je raterai pas. Aujourd'hui c'est le jour où je claque une PR. J'en ai marre qu'à chaque vidéo j'échoue. Non, maintenant ça va passer, je vais l'arracher. Ok, 125 kilos. Je sais pas s'il l'a touché, mais pour moi c'est validé clairement. Je re-regarde là la vidéo. En vrai il l'a un peu touché, donc je sais pas si je la retente et je lui dis de pas toucher, ou soit je mets 130 et je tente la 130. Je sais pas quoi faire les gars, j'aurais aimé que vous soyez là pour me dire quoi faire. Donc là les gars, ce que je vais faire c'est simple. J'ai pas envie que dans les commentaires vous dites ouais, t'as raison, il a touché dessus. Donc là je vais retenter une fois 125 et après on va passer à genre 130. Et maintenant c'est à son tour, il va passer à 110 kilos. Regardez-moi ce bras, c'est pas possible qu'il soulève pas 110 kilos. Ok, 110 pour le cousin Tarzan, s'il les passe, c'est PR. Il a dit c'était dur, mais c'est juste une question de vitesse, je pense. C'est tout. Il va retenter la 110. Je pense que c'était juste un manque de confiance. Regardez-moi ce taureau. Ok, là 125 kilos pour tonton Tarzan. Je lui ai bien dit de pas toucher, sauf si la barre elle commence à descendre. Donc c'est parti. Enfin une foutue paire dans cette chaîne YouTube. Balancez le like, on monte à 130. Si je rentre les 130, je suis pas une petite salope. Frère, tu peux mettre les 110 kilos, tu peux les faire. Direct là, il y a un match qui. Je t'ai 110 kilos, nämlich auseinander. Aïe, frère, direct. 110 kilos, nämlich auseinander. Regardez là, je vais lui parler en allemand. Heimus hat mal, il y a un match qui. Aïe.
Là, on est en train de mélanger trois langues, bosniaque, allemand, et en plus de ça, on est des taureaux. Et aussi français, ouais. Bruder, jetzt nimmst du 110 Kilo und du machst sie platt, man. Yes. Weißt du, wie Kollege sagt? Wie Kollege sagt? Wie? Was sagt Kollege? Alles oder nichts. Weißt du, was Kollege sagt? Er sagt, Knast oder Tod. Là, frère, c'est 70 kilos, soit c'est la mort. La mort. Direct na francuski, je vais passer 110 kilos. Non, mon gars, toi. Moi, je vais passer 110 kilos. Non, mon accepto za pam. 110 kilos. 110 kilos, la mort. Il a la force, mais il n'a pas la technique. Et j'ai aussi longtemps eu du mal avec la technique, mais il va travailler là-dessus. Mais là, aujourd'hui, ça passera pas parce qu'il comprend pas la technique et on n'apprend pas une technique à 110 kilos. Ok, là, sur la barre, il y a 130 kilos. Record ultime de Tonton Tarzan. Je vous promets que je vais les passer. Je vous promets que je vais les passer. Ça me saoule, gros. Après, point positif, j'ai enfin une PR, là, 125, mais j'arrive pas à accepter que 125, c'est ma limite actuelle. Je suis quand même moins dégoûté parce que j'ai fait les 125, mais j'étais sûr que ça passe. Vous savez quoi, là, je vais réessayer. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais je vais réessayer. Peut-être la descendre plus rapidement et la remonter. Et après, ce sera la fin. Dernière tentative. C'est non. Là, l'équipe, vous voyez que la lumière de la salle, elle s'est éteinte. Donc maintenant, je vais faire croire un truc à mon cousin. On voit, il faudra que tu sois là, gars, si. Toi, dans, j'y viens. Pas de code, man. Donc là, comme la lumière, elle est éteinte, la porte, elle est fermée. C'est faux, mais bon, lui, il sait pas. Lui, il croit que c'est vrai. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler une dame. Je lui ai dit, on va appeler une dame pour qu'elle nous débloque la porte. On va l'appeler sur Instagram. Je le dis en allemand pour qu'il comprend. Jetzt müssen wir eine Frau anrufen. Die hier arbeitet. Hey, Mami, Brat, ich bin auf Insta. Auf Insta und dann sie kann uns öffnen bei Distanz. Ja. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Dans la suite, ça touche dans la snap, dit mon caméra. Ah, c'est là? Da. Donc là, on est en train d'appeler la dame. Je sais pas que ça, tu me sais. Il est dégoûté, le cous, que ça répond pas. Il répond pas, il m'a gâché la blague, j'ai la haine. Deretznest. Quoi? Ya, connais-je Deretz. Fils de pute. Ok, l'équipe, là, il fait nuit, il n'y a pas trop de lumière. À cause de Mikey, bah, ma vidéo, elle va peut-être pas percer. Parce que, imaginez s'il aurait répondu, mon cousin, il aurait été choqué. Même si en vrai, il le connaît pas, tu vois. Mais bon. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Donc là, l'équipe. J'ai peur qu'on se fasse assassiner. Zamis dans un snack ou ça doubi. Je t'en fous. L'équipe, j'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo. Je suis un peu deg pour les 130, mais bon. La deuxième rep, c'était mort, j'ai été cramé. Au moins, j'ai eu les 125. Au moins, c'est une paire. Prochainement, on va tenter les 60 kilos. On va les retenter avec un youtubeur. Activez la cloche, vous allez pas être déçus. J'espère que vous avez kiffé la participation de Cousin Tarzan, le bison, mon pote. Le taureau. Si vous voulez le voir dans d'autres vidéos, eh ben balancez un max de likes, dites-le dans les commentaires. Et voilà, j'espère juste que vous avez passé un bon moment, ça sort un peu des vlogs. Sur ce, nous on vous laisse. Si t'es nouveau, abonne-toi à la chaîne. On se dit à la prochaine et surtout n'oubliez pas, Jungle Squad.